Bah bien, me voilà dans mon garage. J'ai une petite après-midi devant moi pour essayer de bricoler un petit peu. J'ai laissé des choses en plan depuis un moment. Et puis bah, vous allez pouvoir comprendre pourquoi j'ai pas roulé cet hiver. Bon, rien d'extraordinaire, hein. J'ai enlevé mon filtre à huile qui est prêt au montage là. Il est là, il est propre, il est nettoyé, il est graissé. Donc c'est un filtre à air, j'ai filtre à huile, un filtre à air Wunderlich, bon, style KN, etc. quoi. Donc ça j'ai remonté, faudra que je remonte ma pièce là avec la sonde. La sonde qui est ici, qui vient là, hein, ça vous savez. J'ai commencé à démonter mon amortisseur là parce qu'en fait j'ai commencé à changer ma bougie et du coup j'ai démonté mon antiparasite. Hein, comme ça je vais pouvoir mettre le NGK qui va bien. Qu'est-ce que j'ai encore à faire? Ben, j'avais un problème de fil. Donc là c'est réglé, hein. J'avais un fil coupé, donc on a remis ça. Donc faut que je remonte tout ça. Je remets. Bon, ça c'est que visser, dévisser, donc il n'y a rien de difficile. Et puis ben après oui, sortir l'amortisseur. Et puis l'envoyer pour reconditionnement. Je crois que c'est la solution que je vais favorisé avec quand même un petit coup de fil à passer au gars avant pour savoir si je peux lui envoyer tout ça. Voilà, j'ai démonté mes supports de valise là pour un petit peu de nettoyage parce que tout rouillé. Et en démontant, j'ai pété l'écrou qui était soudé ici. Alors, il va falloir que je trouve une solution. Mais avant, faut que je nettoie et que je repeigne. Et puis voilà. Bon, puis j'ai du bazar à ranger. Mais bon, comme dehors, on a toujours de la neige. Je suis pas prêt de rouler. Hein. Voilà. Je suis à peu près, hein. Manque un peu de recul. Puis je suis en contre-jour, donc vraiment pas top. Ah si, puis bah, quand j'aurai fini tout ça, hein, j'ai acheté chez Tour à Truc des ressorts pour ma fourche, donc j'aurai un marteau neuf, fourche neuve, donc ça devrait aller. Je m'étais acheté ça, hein, toujours chez Tour à Machin, que c'est pratique pour faire plein de petits chapeaux et tout ça. Ça s'avère être très fin, donc ça va être bien pour cet été, mais c'est pas la peine d'acheter ça pour l'hiver. Hein. Voilà. Et puis j'ai acheté 2-3 bricoles chez Tour à Machin, des petits sacs là, qui s'avèrent être petits en fait, hein. Pas ce que je pensais. Je pensais que c'était plus grand que ça. Mais bon, ça me fera une trousse de toilette pour cet été. Voilà. Ouais, pensez aussi à la Sicherheit. Hein? Voilà. Un emergency kit. Bon, allez au boulot, hein. Faut pas faire que parler, il va falloir y aller. Puis ça va être une bonne prise de tête parce que c'est que des petites merdes, toutes cachées, sans accessibilité. Donc je vais me prendre le chou avec mes gros doigts. Voilà. Eh ben, à plus. Allez.